David. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Qu'est-ce que tu dis à Jésus? Hein? Elle dit merci au Seigneur pour le miracle parfait. Viens, monsieur. Je vous ai promis, il dit ce monsieur, il est venu, ses pieds étaient très enflés, vous voyez. Ça a commencé à diminuer. Regarde le pantalon. Soulève. Soulève. Vous voyez? Ça arrivait jusqu'au genou. Comment tu te sens? Comment ça fait? Non, ça marche, ça descend. Vous comprenez la clame, Jésus, ça descend. Amen. Amen. Tu seras guéri et délivré. Amen. Voilà. J'attends ton miracle. Va t'asseoir. Le processus déjà marche. Et qui veut qu'on une belle. Oh, tu m'en veux, je vais. Jésus, oh, tu m'en veux, je vais. Pour la bas, il y a
Je suis venu maintenant en vacances. Il a commencé à vomir du sang. Non, non, non,
quand moi aussi je vois pas craindre, je sais pas aussi si c'était la sorcellerie. Donc il avait envoyé ici. Vous nous y avez. Maintenant, quand vous n'étiez pas là, il n'a plus encore parlé. Même bien donc il n'a qu'il a de beaucoup. C'est mon frère même qui avait prié sur lui. Mais oui, il a pris pour me retourner. Mais dans le jour que on m'a dit encore que le prophète est là maintenant. Je suis revenu avec lui. Et puis mon frère Bété là, il a prié sur lui. Le nano il est pasteur fumé, évangéliste fumé. Donc il m'a dit que vraiment l'enfant il est malade. Donc il en a eu, on était là, on est là. Oui, c'est ça, on était là maintenant. Là, Kodame. Le prophète même est venu. Le prophète Yida. Donc quand il est venu, il a appelé. Lolo. Et puis il m'a appelé. Lola, mais. Et ensuite, quand l'enfant est malade. Yo, on est yao. L'enfant là, vraiment, je vois qu'on a déjà fini l'enfant. Yo, on a bien les gavio. Donc, dans la grâce de Dieu, la go n'est pas, si mais, Dieu n'a pas dit ça, la go te la sogba. Moi-même qui l'ai mis au monde, je n'ai pas dit ça. A mi mani sogba, la mais, personne qui a dit ça, qui voulait dire ça là, on a quand même pas. Je n'ai qu'à voir dans la paix. On a le dodo. Donc, de la grâce de Dieu, la go n'y a mon prophète, il a guéri mon enfant. Amen. Jésus. Oh, y a mané yo. Donc, Jésus a guéri mon enfant. Le clignot, oh, non, ne yo. Donc, je remercie beaucoup à Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu remarques? Une amélioration? Tu sens qu'il est guéri? C'est ce que je veux. Bon, je sens qu'il est guéri. Parce que, guéri na oyama. Parce qu'il n'était pas comme ça. Son nez d'aller. Bon, il ne mangeait pas même pour vivre. Voilà. Il vomissait son main et il ne mangeait pas. Tiens-moi au voilà. Quand on est venu ici, le je vois que sa santé est bonne. Le on pour pouvoir être en tête et son ventre aussi était un peu enflé. Le ogwa ogreda. Le ola dodokuyi. Donc, je vois que c'est diminué. Le Eye n'a pas de merci, mon Dieu. Le Nzola Goblo. Donc, c'est ce que j'ai vu. Tu vois qu'il est guéri. Même bon. Je vois qu'il est guéri. Eye n'a pas. Eye n'a pas. Tu crois qu'il est guéri. Je crois qu'il est guéri. Non, je sais qu'il est guéri. Et tu vas dire. Si tu crois qu'il est guéri. Ben, je crois qu'il est guéri. Est-ce qu'on a proclamé Jésus? Tu crois que tu es guéri? Tu sais que tu es guéri. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à faire. Il nous d'aller non bela. Il pouvait pas quand je respirais mon ventre là, il pouvait pas bien respirer. Il n'y a pas d'ana. Il pouvait pas manger quand je mange. Dit d'abé. Il mange un peu seulement et puis je m'arrête. Il dit d'abé. Gosson. Il mange bien même. Là il met le bena. Combat qui a été déclenché avec le monde de la sorcellerie. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai livré un combat. Allez jusqu'à prendre son âme. Amen. Ceux qui ont vu le combat ici ont vu. Je ne sais pas si ça passait un samedi matin, dimanche. Son âme. Encore, tu as ramené son âme. Je crois que c'est pendant 30 minutes, une heure. Il est dans un le combat. Jusqu'à ce qu'il ramène. J'ai dit à sa mère, c'est fini pour lui, on a déjà mangé. Il y a des buts de non là-bas. Mais le miracle est possible avec Jésus. Amen. Jésus dit, celui qui croit en lui vivra même s'il est mort. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'espoir, il faut croire. Toi qui m'entends, il faut croire ton miracle. C'est tout ce que Dieu attend de toi de croire, il faut croire ton miracle. C'est possible. Il est noir. Dieu peut encore te guérir. Il peut encore te délivrer. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Attends, on est pas bien.
Vous voulez laisser la sorcellerie? Sorcière. Est-ce que vous avez vu? Non. Je dis non. Tu es sorcière? Qui t'a donné? Comment elle s'appelle? Il est où? Comment t'as donné la sorcellerie? Hein? Tu n'expliques pas bien, explique bien. Comment t'as donné la sorcellerie? Comment il t'a donné? Il m'a donné ça à l'argent, c'est pas bien expliqué. Non, tu n'expliques pas bien. Sorcier ne donne pas l'argent pour venir prendre l'argent la nuit. Faut bien expliquer. Comment il t'a donné la sorcellerie? Il n'a pas transformé la nourriture à quelque chose. Alors, et puis pourquoi tu dis pas ça? Ici, là, nous tous, nous savons comment on initie les gens. Et puis, là, il a transformé ça en quoi? Vient de l'homme, tu as mangé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le vin te chercher pour faire quoi? Dans le monde de la sorcellerie. Puis il a dit quoi? Et puis il dit dans le pour toi. Il t'a envoyé pour toi. Oui. C'est qui? Et tu l'as tué. Oui. Comment tu l'as tué? Explique-moi bien. Tu es parti où et puis tu as pris son âme. Mettre la caméra ici. Comme ça. En étant sans Dieu dans le Dieu si parti. Tu dormais avec elle dans le même lit? Non. Oui. Et dans mon salon, ma grande. Et puis je me suis levée. Comment tu t'es levé et puis tu es allé chez elle? Prends son âme. Je me suis transformée. En quoi? On est perdu. Et que tu es qui m'a? Même le gars, comme il y a qu'à. Et puis je me suis retournée. Ouais, toujours. Il est où? Est-ce que tu veux la marier toujours? Tu veux la marier, dis toujours. Il va te montrer qui a mis beurre dans vos cas. Tu as compris? Tu dis quoi? Juliette, je prends. Juliette, ouais, le pouvoir de la parole. Juliette, je prends ton âme. Son âme vient. Le orgueil, ça est l'homme. Oui. Juliette, je prends ton âme et son âme sort. Et puis comment l'âme est venue? Comment? L'âme s'est levée. Vous voyez que c'est, elle n'est pas d'ici. Elle est de grand là-haut. C'est la même pratique. Elle vient ici, c'est la même chose qu'elle dit. C'est comme ça qu'ils font la sorcellerie. Ce serait que ceux qui suivent bien nos vidéos, ou bien ceux qui sont présents ici, ils peuvent déjà arracher la vœu à un sorcier. Amen. C'est la même méthode. Partout, c'est la même chose. Initiation, comment on tue, comment on prend acte, c'est la même chose. Donc il y a des choses. Quand tu suis bien nos vidéos sur le YouTube, tu peux même reconnaître un sorcier chez toi à la maison. Allons-y. Mais l'âme là, c'est comment? Tu souris à moi, je suis ton copain. Hein? Abaisse ta main là. Oui? L'âme est blanc. Oh le gars, où les plats, au palais. Hein? L'âme est quittée de son corps. C'est quittée de son corps. Oh, on va faire une petite démonstration. Hé, couche-toi. Sorcier, couche-toi. Oh. Il est voici, voilà. C'est où tu restes? Où tu restes pour prendre l'âme? Hein? Où bien où? Là, où est la tête ou les pieds? Hein? Généralement, c'est à la tête. Comment tu fais? Comment tu fais? Bien fait. Arlette ta main au dos. Montre comment tu fais. Tu dis rien. Hein? Je dis à partir d'aujourd'hui, je prends ton âme. Le canard, il est encore un bien. Encore. Hein? Et puis elle dit, Juliette, à partir d'aujourd'hui, je prends ton âme. Et puis l'âme, là, vient comment? L'âme, là, c'est l'âme. C'est quand un bien encore. Ça, c'est l'âme de son corps. Et puis ça vient où? Hein? Explique, vas-y, reprends une dernière fois.
elle a couché. Oui, puis parle, c'est comme si c'était Juliette, allons-y. Et puis elle dit, je vais pas parler, donc je dis, prends son épée là, mon pied. Ça vient comment? Il vient facilement? Ça quitte dans son corps. Ça quitte comment? Ça quitte comme ça. Puis ça vient où? Dans ta main. Et tu vas essayer où? Monde de sorcellerie. Le goût comme le doigt, pour les namoum, les vieux gars. Lève-toi. Et puis qu'est-ce que tu fais? T'es parti, t'as fait quoi là-bas, ça? Et puis elle l'a tué. Tu l'as tué? Tu l'as transformé en quoi? La transformé en mouton. Hein? Mouton. En mouton. Bien, bien, tu l'as tué. Tu as moyen quelle partie? La tête et le cœur. La tête et le cœur. Nous, bon, les poils, mais à et puis tu as fait quoi encore? Et puis elle a tué mon cousin. Tu as tué ton cousin? Son nom? Junior. Hein? Junior. Junior. Tu as fait quoi? Non, 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 Junior, il était accouché, puis elle s'est partie, elle a pris son âme. Tu as pris son âme. La même méthode. Tu as dit quoi? Je dis après d'aujourd'hui, Junior, je prends ton âme. À partir d'aujourd'hui, Junior, prend ton âme, oui. Et puis son âme s'est levée, puis c'est venu dans la vie. Je suis parti, ça donne de la sorcellerie, puis c'est la transformation en mouton, puis j'ai mis la tête et puis le cœur. Puis tu as fait quoi encore? Et puis elle gardait l'âme de ma grand-mère. L'argent? De ma grand-mère. Comment tu t'arranges? Un bon dans ta ou? Un jour, tu partais à l'école, elle m'a donné l'argent. Un jour, tu partais à l'école? Je m'en vais à l'école, on est dans la. Comment s'appelle ta grand-mère? Agua Naomi. Agua, Agua Naomi. Elle est où? Elle est partie à Divo. Elle t'a donné ton argent, hein? Je partais à l'école, puis elle m'a fait l'âme et puis les ceux qui partaient ça dans le monde. La nuit, tu partais ça dans le monde, la sorcellerie. On est dans la grand-mère, l'école, les nannes, l'école, les nannes, c'est que du coup. Et puis elle a mis ça dans le canard. Les autres, dans la canarie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis maintenant, et puis, il y a chier, si. Tu as chié ta grand-mère. Comment tu as fait? Tu as gardé son argent, c'est pas ça? Pour pouvoir avoir l'argent. Je te demande, hein? Tu as une bouche, il faut me parler. Pour pouvoir avoir l'argent. Oui. Maintenant, comment tu as fait pour chier? Oh, comment tu as fait pour aller chier chez elle? Tu connais pas WC? Mais si là, tu connais pas. Une pendo. Tu as pas une demande? Et maintenant, tu allais faire quoi, ciel? Tu as fait diarrhée, ciel? Diarrhée. Oui. Tu as chié, ciel. Comment tu as fait? Hein? Assieds-toi. Pour montrer comment tu as fait. Couche-toi. Supposons que ta grand-mère. Pour bien te placer. Et puis c'était pour quoi? Hein? Pour que ta grand-mère puisse sentir. Elle a senti. Pourquoi? Dans quel but? Voilà quel but, c'est pourquoi. Hein? Elle a qu'à sentir comme ça. Ou pas avoir la chance. Qu'elle n'a pas oublié les gens la repousse. C'est ça? Elle t'a fait quoi? Qu'elle passe, on la repousse. Elle sent. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait encore? Et puis, il a caché son âme de ses deux enfants. Hein? Il a caché l'âme de ses deux enfants. L'âme de ses deux enfants. Il a bien, il battait Roger. Voilà, il s'appelle Roger. Il est où? Il est à Abidjan. Il est à Abidjan. Et la deuxième personne? Et puis la voix qui s'appelle Josias. Josias. Voilà mon nom, Josias. Il est attaché où? Dans un canari. Et puis elle a mis ça dans la cour de l'époque. Dans un canari. Le papa là, c'est où? Il est où? Le village. C'est où ça? C'est là où d'Abidjan, Diaputo. Diaputo. Le nom, l'âme là, c'est dans le canari là-bas. Je voulais manger. Tu aimes bien manger la chair humaine? Hein? Comment? Hein? Là-bas, tu manges quoi? La chair. Tu aimes bien ça, non? Hein? Le connerre, mais hein? C'est doux, non? C'est doux. Tu manges ça à quelle sauce? Hein? Sauce claire. Accompagné de quoi?
Atte trois riz. On les saka. Le verdin. Tu as fait quoi encore? Hein? Tu as attaché l'âme de ta femme. Où ça? Dans Canary. Tu as fait quoi encore? Et puis, je suis le dossier de son fils. Le dossier de son fils? Oui, il est fou à quoi il est. Il est où? Son fils, l'Abidjan. Comment il s'appelle? Crochet. Le papa va travailler. Tu as fait comment parler chier son dossier? Elle m'a donné la pulie, voilà. Elle a eu d'onction. C'est un chant prophétique. Elle a des pulies, elle a eu d'onction. Hein? Et puis il a laissé son dossier sur la table. Il est sorti, il a laissé son dossier sur la table. On est fou à tes détails, on l'a fait toi. Il a chié dessus. Quand tu vas chercher le travail, il ne gagne pas. Il y a caca là-dessus. Ça sent, on te jette. Hein? L'autre va voir la femme. Tu fais la moue à lui. Tu fais la moue à lui. Comment non? Tu fais la moue à lui. Mais tu fais la moue à lui. Ça veut dire que c'est toi qui deviens sa femme. C'est pas ça? C'est pas ça? Hein? Moi, je ne vais pas avoir de la mariée. Moi, on connaît vos faits de sorcier, on connaît trop. Tu fais l'amour, elle, toi, t'as quel âge? Tu fais l'amour, toi? Quel âge? Hein? Mais c'est la vérité. Oh, quasi, qu'on passe ça, là, on a beaucoup vu. Et puis, lui, il a quel âge? Tu connais pas? Puis, tu vas faire l'amour, elle, lui. Tu cherches quoi? Oh, là, gros. On y est aussi, oui, mais c'est qu'il y a un homme plein. C'est ton mari? Là-bas, là, c'est une vieille. C'est une bonne go. Oh, on a pris un duc à l'école. On les dames, les mains. On y est devenu. Bonne go, c'est là. On calme bien. Ça fait une demande. Hein? On a bien fait un enfant là-bas. Vous avez fait un enfant. Combien d'enfants? Hein? Un enfant là-bas. Oh, on calme les vieux, you bro. Oui, tu as fait un enfant là-bas. Doucement. Hein? Comment elle s'appelle l'enfant? C'est une fille ou un garçon? Yo, c'est ça là, là. Une fille. Comment elle s'appelle? Nous quoi? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Bénédicte. Nous avons la Bénédicte. Nous parlons. Bénédicte. Béné. Béné. Un maïs steak de l'homme. Steak, viande. Un maïs quoi là-bas? Venez, maïs quoi? Le yo yo le là. Hein? Imaginez-vous. Oh le boy yo le quoi? Un enfant qu'on doit nourrir un chien humain. Quoi, moi, le yo yo, le gamin, ça va le quoi? Tu as un enfant là-bas? Comment ça s'appelle? Béné? Bénédicte. Comment la Bénédicte? Un maïs vient de l'homme. Quoi, moi, le béo. Donc tu dois la nourrir petit déjeuner. À midi le soir. Tu as fait quoi encore? Elle fréquente. On met l'école. On t'a mis à l'école. On met l'école. Oh, on met l'école. Vous n'avez pas votre enfant à l'école. On a eu un enfant à l'école là. Aïe. On n'a pas d'enfant. Tu fais avant de vous laisser bon, c'est vraiment l'école. Et puis il y a quoi encore là-bas? Donc tu es grande femme là-bas, hein? Mais on est capable de gagner le hein? Non, tu vois petite là, toi-même tu gères. Alors là, il y a une case avec bas. Et Dieu veut sous cadre. Oui, tu fais quoi encore? Péniel, nous on attend beaucoup de choses là, ici là. Ah, mais c'est quand dit que ma nous camions. Tu fais quoi encore? Hein? Ah, mais c'est la chose que tu dois faire. Elle s'envole. Non, c'est ça. Sorcier qui s'envole pas, c'est pas sorcier. Tu fais quoi encore?
Tu gardes foyer des gens. Quand les gens doivent se mettre, tu gardes foyer. Tu as ce pouvoir là, c'est ça? Hein? Parle bien, tu as ce pouvoir là. Tu gardes le foyer. Tu fais comment? Hein? Pour avoir la paix. Vous voyez comment elle s'est bien s'exprimer. Pour avoir la paix. Dans le foyer. Et puis tu gâtes. Tu fais comment? Hein? Tu parles. Comment tu t'arranges pour aller dans les foyers pour gâter les foyers? Hein? Qui est son parent? Alors, on y est là. Hein? Qui est son parent ici? Oignon. Hein? C'est ma grosse. Voilà. La femme de la vieille, là. Non, c'est pas la vieille, ça c'est la Satan. Satan. Lex. C'est toi. Ouais, quitte-moi. C'est un ancien sorcier. Vous camionnez pas dans la. Ah, tu dis si, il y a la palais ici, comment tu dis? Oui, parents même, je cherche. Tu n'es pas là? Ok. Donc, quitte. Après, j'ai ton problème. Petit sorcier. Lève-toi. Tu as fait quoi? On se tait, s'il vous plaît. Tu as fait quoi? J'ai gâté la vie de mon oncle. Vous parlez seulement. J'ai gâté la vie de mon oncle. Hein? Et puis je tombais. Hein? Et c'est donc pour que aujourd'hui je viens pour ton âme. Hein? Et là, le pot d'un âme, il trouve comme un accord pour qu'il se calme bien de corps. Pas le faux. Et t'entends pour qu'aujourd'hui je viens pour ton âme. Comment tu prends âme? Comment tu fais? Toi, couche-toi, hein, ouais. Comment tu prends âme? Tu restes où? Tout vient d'arrêter, ouais. Hein? Ouais. Puis tu fais quoi? Hein? Non, mets ta fou, ça fait du mal. Oui? Hein? Puis tu fais quoi? La gomme, il se capoura. Tu fais comment? Hein? Comment tu fais? Par les pieds. L'âme la sort par les pieds. Et puis tu fais quoi? Et puis, tu prends. Puis tu vas où est ça? De sorcellerie. Puis tu fais quoi là-bas? Tu l'attaches. Et puis tu fais quoi? Le tofu au cadre. Et puis tu manges. Oui. C'est doux. Hein? Et puis tu manges. Petit, non. C'est doux. Non. Et puis tu manges ça. Dans la main, chère humaine. Alors, mais quand tu n'es pas doux, puis tu manges. C'est doux. Mais tu as bien la commune, elle met la vie. Ça, c'est mort. Quand tu n'es pas doux, tu manges. J'ai aimé le relevé. Tu as fait quoi encore? J'ai gâté la vie de mon tomate. Elle s'appelle Cynthia. Cynthia. Elle est où? Il n'en aime pas, Cynthia. Elle est là, Cynthia. On peut vivre en temps, on est coupé. Adigo, t'as fait quoi là-bas? Il est venu là. À Grimiana, t'as fait quoi? Grimiana, il est une belle. Mon papa est à l'école. Et puis, tout pour ce qu'il ne va pas rejeter ses bacs. Ton papa? Il est venu dans l'école. Il est venu dans l'école. Il est venu dans. Ça dit pour gagner, il va rester au bac. Oui. Et tu as fait quoi? Mais tu n'as pas bac, yo. J'ai gâté le lieu de mon grand-père. Non, pour ton papa là d'abord. Ton papa allait faire bac, tu vas gagner un bac. Oui. Tu as fait quoi? Et puis les pâtes sales. Hein? Les pâtes sales. Il dit, tu dis pour pas ton papa faire bac. Gâté, t'as gâté ça comment? Hein? Oui, mais c'est ça que tu expliques, tu avais quel pouvoir? On a tête, on a le nom. On a tête en cala. Hein? Quoi? Pouvoir de la sorcellerie. Il dit quoi? Oui, mais comment tu as fait? Hein? Je suis. Fiu.
Maintenant, fille, là, ça fait quoi? Fais voir. Hein? Et puis, ça fait quoi? Ça allait bloquer ses papiers. Mais non, mais ça fiou. Mais il est au fou à collectif. Donc tu es sorcier. Tu es bon sorcier. Tu as pouvoir. Bon, faut faire fiou là, c'est moi. Eh bien, c'est, ils vont lui montrer qui a mis le signe dans papa. Vous faites fiu là, Simon. Fiu, non, le mien connaît. Moi, je cherche son fils qui a me fait tomber. Il va te vous calmer, ta base au pari. Il n'est pas encore né. On est là au carré. Il n'existe même pas encore. On est là, Pico. Il ne va même pas exister même. Là, on a encore. Parce que Jésus est Seigneur, c'est tout. Madame, toujours. Ah, mon cadeau. Bonsoir, là. Et ton kiki, là? Maintenant, il y a un joueur, là. Je te demande, je suis en train de demander. Il y a un joueur, là. On n'est pas en train de truc. Hein? On est allé qu'à bien. Où est kiki, là? Tu as dirigé le monsieur, là, et moi, près de vendre. Mais, il est sûr que... Il est prêt. Oh. Il dit tu as la main, il dit toujours. On le voit voilà que tu montres. Il va te montrer qu'il a mis peur d'avocat. Il t'attend. Bien, tu as bien qu'à moi. Lui dit toujours. Loco. Bon, plat, plat. Ce qui te va montrer, là, il te montre toujours. Je ne sais pas là-bas, il ne casse pas ça. Je t'attends toujours. Ben, qui a peur? Il va te dire comment. Il dit toujours. Je vous ai dit toujours. Loco, quand? Tu l'as purgé? Oui. Elle dit oui. Un oslo d'azar, hein? Tu fais comment pour le purger? Je sais, non, le oslo, non, là. Elle fait la moelle. Non. Tu es ailleurs, là? Le oslo? 23 heures, quand il me couche, après, ça vient. Dans ta cas? Vers 23 heures, quand tu te couches, purgeur, là, vient. Ni dedans, ni égiroko, là, il. Oui, tu fais quoi? Je vais faire l'amour. Hein? Je te parle? Moi, elle vient me répéter, c'est comme ça. Je vais faire l'amour. Tu lui fais l'amour où ça? Dans son anus. Mais plus beau, il y a les dames, non? Mais dis un peu. Tu fais l'amour? Tu lui fais l'amour? Dans son anus. Dans son anus. Mais d'où quand on va faire l'amour? Donc lui, il pense qu'il est en train de faire la mauvaise femme. Toi, pour toi, tu le purges. Et qu'est-ce qui se passe après? Là, il y en a un plein de là. Après. Ah, bien, non. Oui, parce que... Il pense que celui qui a travaillé, il pense qu'il a travaillé. Moi, il est d'accord, ça ne fait pas. Moi, donc le monsieur il est là. Quoi, on connaît. Oh non, moi, elle est d'accord, je ne sais pas. Vous n'avez pas dit, vous voyez les petites filles, vos yeux brillent. En bas, quand moi, il y a ce qu'on peut dire. Il y a un monsieur qui a papa. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Maman vient, pisse. Ça va? Maman, donne-moi ton numéro. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Il y a une grande là où elle ne sait pas dire non. Le congrès là où? Il est con. Non, quand il dit maman, alors, il a dit allons-y, chez toi c'est où? Il a dit maman, il y a des gens. Allons-y. Quand tu finis ça, ton anus sort, tu as hémorroïde. On a bien alors. Tu portes couche de ta couche. Et il veut vendre. Couche. Bon, il veut vendre. Quand vous voulez, bon, il veut vendre. Vous n'avez pas de vos yeux brillent. Allez, à bas, vous vous purigez, vous allez comprendre. Vos yeux brillent. Vous lui dit attends, il est toujours. Il te marie. Quand tu seras délivré. C'est lui qui a mis beurre dans l'avocat là, il va te montrer. Beurre, moi je vais avocat, il n'y a même pas là.
Tu veux être délivré. Touche ton ventre. Jésus. Allez, dégagez. Tu n'as rien en bas. Tu as quoi en bas? Il n'a pas pris. Parce qu'il y a fait des aveux. Nous, ici, notre centre, c'est le centre où. Mais ça, c'est moi. C'est le centre où nous délivrons les sorciers. Vous allez fouiller dans toute la Côte d'Ivoire. C'est le seul centre. Où un sorcier parle, nous ordonnons aux démons de partir. Parce qu'il ne suffit pas de faire des aveux. C'est vrai, la personne peut parler, mais la personne animée d'un démon. Il y a un démon dans la vie de cette personne. Donc il faut que le démon soit chassé. Quand il est chassé, c'est fini, la personne est délivrée. Sinon, malgré les aveux, la personne peut être toujours sorcière. C'est pour ça que les gens vont de camp de prière en camp de prière. Vous allez vous promener zéro. Tant que le démon n'est pas parti, la personne demain sorcière. Parce que c'est un esprit qui l'anime. Il va être délivré. Je te commande, toi démon. Je te commande au nom de Jésus. Quitte son corps. Voilà, quitte. Va-t'en. Va-t'en. Allez. Je te commande au nom de Jésus. Allez, quitte son corps. Quitte son corps. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Je te commande. Allez. Voilà, quitte son corps. Tu vas partir, esprit de la sorcellerie. Tu quitteras ce corps. Au nom de Jésus-Christ. C'est cela qu'elle a envoûté, vous voyez que c'est un esprit qui se manifeste dans son corps. Oui, c'est un esprit qui faisait ça. Et c'est l'esprit qui est en train de se manifester. Quitte son corps. Je te commande maintenant. Voilà. Quitte. Oui, quitte. Tu vas partir. Au nom de Jésus. Tu vas quitter ce corps. Je te commande. Attends. Tu vas partir. Lâche-la. Maintenant, il y en a 8. Les autres sont partis, 8 autres sont partis en groupe. Il reste 8. Je vous commande au nom de Jésus. Allez, partez. Allez, partez. Allez, partez. Oui, allez-y. Voilà, allez-y. Allez-y. Au nom de Jésus. Vous allez quitter ce corps. Oui. Vous allez la lâcher. C'est un nom. C'est un nom. Je vous commande. Je vous commande. Au nom de Jésus. Allez, allez-y. Allez-y. Il reste 3 démons. La 5 se vient de partir, 5 démons. C'est pour ça qu'il faut avoir le don de discernement. C'est très important en matière de délivrance. Savoir les esprits qui sont en train de partir. Tout le temps qu'elle ouvre la bouche, c'est... Les démons sont dans les parties. Voilà. Il y en a un restaurant. Un qui est comme un piton.
cobra. Puis il y a un qui est épervier. Python, cobra, épervier. Je vous ordonne de lâcher son corps. Maintenant, voilà, allez-y. Allez-y. Bon, le python vient de partir. Voilà. Maintenant, c'est le cobra. Regardez comment le cobra se manifeste. Voilà, le cobra. Maintenant, le dernier esprit, c'est l'épervier. C'est le méca des. Ce démon qui est là. Il faut les partir, c'est fini. Voilà, je te commande maintenant, au nom de Jésus, de partir. Voilà, va-t'en. Voilà, vous voyez. Vous voyez, les pervers entendent les parties. Ils entendent les parties. Pousse ton cri et va. Va-t'en. Je t'envoie dans les lieux d'arrivée, dans la mer. Je te commande. Allez, va-t'en. Pousse ton aîné puis va. Va-t'en. Au nom de Jésus de Nazareth. Va-t'en. Allez. Voilà, va-t'en. Va. Pousse ton cri et va. Pousse ton aîné puis de défaite. Va-t'en. Tu es au niveau de sa poitrine, tu es là. J'ai moi le feu sur toi, dans sa poitrine là. Là où tu es, là où tu es logé, dans sa poitrine, j'invoque le feu dans ta poitrine. Là. Va-t'en, lâche-la. Va. Va-t'en. Au nom de Jésus, le feu consume tes œufs. Et le plus puissant, il va difficilement. Voyez, il va difficilement. Mais tout compte fait ira. Il ne restera pas dans ce corps. Parce que c'est le nom de Jésus qui est prononcé. Ah ouais, là. Au nom de Jésus-Christ, tu vas partir. Lâche-la. Va-t'en. Va. Voilà, va. Voilà. Les minutes qui suivent, tu disparais. Tu dis quitte ce corps. Au nom de Jésus. Je te commande, voilà, va-t'en. Au nom de Jésus. Va. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Viens de partir. Regarde-moi ici, viens. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Abba Gounyolé, j'ai gagné moi. Abba Gounyolé, la gagné moi. Abba Gounyolé, j'ai gagné moi. Anymore.
vieillis là. Hein? Oui, mais quelle chose? Tu as vu quoi? Oui. Il a créé. Épervier. Tu as senti ça comment? Ça a quitté. Ça veut dire qu'il vient d'être délivré. Dis amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ça veut dire qu'elle n'était plus maître de sa volonté. Elle n'était plus maître d'elle-même. Elle était contrôlée par un démon. C'est vrai qu'elle a fait les aveux, elle a parlé, il a fait telle chose. Mais l'esprit est encore là. Elle pouvait encore continuer. Donc les aveux ne suffisent pas. C'est un élément très important. Pourquoi nous amenons les gens à faire des aveux? Parce qu'à partir des aveux, vous affaiblissez l'esprit. Quand l'esprit est affaibli, pour le chasser, c'est facile. C'est cela que d'autres personnes ne reçoivent pas le ministère. Parce qu'il ne chasse pas le démon. Il regarde, parle. Il y a d'autres, dans le cas de prier, vous partez, on vous regarde. Vous-même, vous priez pour vous-même. Non. On dit, c'est quelqu'un qui est possédé d'un démon, c'est toi qui dois chasser le démon. C'est pas lui qui doit faire sa délivrance. Non, la personne est possédée. C'est pas elle qui doit. C'est nous qui devons chasser le démon. Maintenant, l'étape qui reste maintenant, c'est de prêter serment. Il y a pacte et puis ça serment. Le serment, le prêt devant Dieu. Quand le président de la République, lors de son ordination, prête serment devant Dieu. Je prends l'engagement devant Dieu. J'ai fait telle chose. C'est pour ça que quand tu ne respectes pas, tu es châtié. Donc elle va prêter serment. Vous dites qu'elle va plus jamais retourner à la sorcellerie. Et nous allons verser le ciel. Et si elle repart là-bas, mais elle est morte, c'est fini. Parce que la Bible dit que c'est ta parole qui te condamnera et ta parole te justifiera. C'est cela que nous sommes ici là. C'est très efficace. Quand tu retournes, tu meurs. Amen. Dis amen. Qui est lui là? Voilà. Lui, vous voyez, c'est très dangereux. Ça peut te communiquer la vie. Lève ta main droite. Il faut parler. Devant Dieu et les hommes. Je prends l'engagement de ne plus retourner à la sorcellerie. Le jour où je vais repartir la sorcellerie, que je vais faire la sorcellerie. C'est pas juré, hein, c'est pratique serment. C'est différent. Alors, devant Dieu la terre. Et les hommes, laisse faire tel. Devant Dieu et les hommes. Je jure que je ne peux retourner au monde. Non, je prête serment devant Dieu et les hommes. Que si jamais je retourne à la sorcellerie, il n'y a qu'à mourir. Je prends serment devant la terre de l'homme. L'autel a fait quoi? Devant Dieu et les hommes. Devant Dieu et les hommes. Vas-y, les hommes sont témoins de ta parole. Là-bas, je vais mourir. Donc, si je meurs, il ne faut pas qu'ils vont faire les funérailles. Si je meurs, il ne faut pas que mes parents vont faire mes funérailles. Ils n'ont qu'à m'enterrer comme un chien pourri. Ils n'ont qu'à m'enfler avant de mourir. C'est sa parole, non? Le jour où tu vas retourner dans cette pratique, que le châtiment de Dieu s'abat sur toi. Amen. On dit amen. On acclame le Seigneur, il est délivré, vas-y. C'est fini. On acclame Jésus-Christ, c'est fini. On dit amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. On se tient debout. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de construire la chapelle. On a parlé au moins en stroke bien, bien, papa. Amen. Il y a plus de 100 et 300 et quelques mille francs, plus de 400 000 francs. On a déjà dépensé. Il reste maintenant la couverture, nous allons couvrir. Amen. Chacun va contribuer. Donc vous allez ramener le paille. Amen. Allez, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si tu bénis Dieu, Dieu va te bénir. Vous savez ce qu'on appelle bénédiction? C'est de bénir Dieu. Vous savez, Dieu dit, celui qui bénit Israël sera béni. C'est maintenant Dieu a besoin de ça.
Vous savez, ici, nous, on ne parle pas trop d'argent. Nous, c'est notre huile là. Quand tu finis, seulement on te laisse. Mais il y a tant ici. Vous me voyez ça, vos propres yeux. Chacun a besoin de payer au moins une fleur de tôle. Vous couvrir. C'est maintenant que le Seigneur a besoin de vous. Envoyez vos offrandes. Amen. Aïe, la gamon ya gamon kuo. Aïe, la gamon ya gamon kuo. Aïe, aïe, aïe.